Kylian, il est égalisé aussi le record de Cavani, mais l'équipe, vraiment, on a fait beaucoup de choses positives aujourd'hui. La triste pour notre défenseur Mbappé, je pense, il est cassé, il est tendu, mais on pense pour lui, ce match aussi pour lui. Il nous manquait un peu un joueur comme Kylian, qui dans les matchs comme ça, vu que Marseille vient à prendre très 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 haut, on a beaucoup d'espace, et un joueur comme les caractéristiques de Kylian, on ne l'avait pas. Même dans les banques, un autre qu'il allait prendre sa place, on n'avait pas cette caractéristique-là, et c'était un peu dur. Et on savait qu'on devait faire un match différent, on avait préparé, on a regardé les matchs, les erreurs qu'on avait fait hier après-midi en réunion avec les coachs pour faire mieux, et je pense que tout ce qu'on avait préparé, nous a réussi. Je suis frustré parce que voilà, on a déjà ma sortie, il y avait déjà 3-0. Les sifflets ou pas, finalement, c'est normal. Tu perds chez toi 3-0, c'est normal que les gens ils soient pas vraiment contents du résultat. Après, bon, comme on l'a dit, essayer d'oublier ce match, même si c'est pas facile, et penser au prochain match.